Eh bien, salut à tous les amis, c'est Pokévoli. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Pokémon Let's Go Evoli. Warg, gars, Pokévoli, j'ai vu un popo qui parle. Zut, j'arrive pas à me calmer. Il me faut quoi pour faire redresser toute cette adrénaline? On réfléchit pas, on y va et on donne tout ce qu'on a. Merci de me prévenir. Bon, ok, j'étais un petit peu au courant, mais bon. Il ouvre cop. Le dresseur peut se battre. Recoups versus recarnage. Il est niveau 12. Cruel. Ouh, ça, c'est pratiquement... Ça a pratiquement tout retiré ses PV. On lui a retiré pratiquement tous ses PV et lui, il nous en a retiré 4. Il nous en a retiré 4. Bien joué. Bien joué, bien joué. Là, je dois admettre. Dommage que son attaque vive attaque aussi soit surpuissante. Pikachu monte au niveau 16. Pikachu. Mais sérieusement, il envoie Pikachu, bah vas-y. Toi t'envoies Rookool, moi j'envoie Rookool. Si t'envoies Pikachu, bah j'envoie Pikachu. Ça va être marrant un combat entre Pikachu. Ah oui, mais lui c'est l'autre Pikachu. Ah bah non, c'est vraiment un sauvage en fait. Oui, c'est vraiment un Pikachu sauvage. Enfin, son starter, mais bon. Niveau 13 et moi niveau 16. On va commencer par un double pied. Yes. Il fait reflet. Pourquoi il a l'attaque reflet? Ah oui, moi je crois que je l'ai, non? Logiquement, je l'ai aussi. Ah non, moi j'ai mimiqué. Ok, oui, j'ai pas accepté de le faire. Et du coup, oui. Il va être invincible comme ça. Il augmente trop sa vitesse. Moi, je spam double pied. Vive attaque! Maintenant, il peut se permettre de faire des vives attaques maintenant qu'il est en sécurité. Normalement, celle-là va passer. Ce double pied, normalement, il va passer. Parfait. Vive attaque. Oui, la vive attaque du Pikachu qui réussit. Bien joué, Pikachu. Misterbe. C'est mort. Même si j'ai fait continuer sans changer à cause de mon bug, je change. Lui, il a un Misterbe niveau 12 dans la version Let's Go Pikachu. Et bien dans la version Let's Go Evoli, nous, on a des Chétiflore. Et moi, mon Chétiflore niveau 18. Et lui, il a un Misterbe niveau 12. Donc, il va gagner, je pense que tout le monde le sait. Si je lui fais une attaque acide, bah parfait, hein. C'est vu que c'était simple, pour une fois, c'est pas mal. Ça fait pas mal de dégâts. Il fait aussi acide. Lui, ça fait que dalle. Ça fait que dalle. Ligotage. Parce qu'après ce ligotage, même si ça fait rien. Après l'autre coup du ligotage plus l'acide, et ben voilà. Il va plus y avoir de Misterbe. Acide. Adieu. Pokévoli Junior monte au niveau 20. Yes. Magikarp monte au niveau 10. Ouais. Purée, désolé, hein. Je panique comme ça. Je panique pas comme ça d'habitude. Je voulais te dire un truc, mais avec toutes ces émotions... Ah ouais, ça me revient. En fait, si tu continues par là, tu tomberas sur la maison de Pokémon qui s'appelle Léo. Il y a plein de Pokémon rares qui aiment bien montrer... Qui aiment bien montrer à qui veut. Donc j'ai voulu aller y faire un tour. Mais tu imagines jamais ce que j'ai vu en arrivant. Déjà, aucune trace du Léo en question. Par contre, en plein milieu de la place, il y avait un Pokémon qui parlait au malaise, c'était super glauque.
Je me sauve le plus loin possible de ce truc. Fais attention à toi si tu décides d'y aller. Quoi? Non, je m'enfuis pas avec lui. Je croyais que c'était une cinématique, mais non. Ce serait bien trop facile. Bon, ok. Là, on a des dresseurs à combattre. Ok, tout ce qu'il y a de plus basique. Ça va. Qui? J'ai cru comprendre Mimiki. Non, c'est Mimitos. Ok, yes. Parfait. Peut-être qu'on va pouvoir le one-shot. Niveau 9! Encore moins que l'adversaire qui était ultra facile à battre. Moi, ça me va s'ils sont niveau 9. Hein. J'ai à peu près leur double grâce à Rougoups. Même un peu plus vu qu'il est niveau 19. Vous obtenez 3 Pokéballs. Ah oui, je vais faire aussi le plein de Pokéballs pour la chasse aux Shiny. Je ne sais toujours pas qui je veux avoir. Surtout pas de... d'Arcana Shiny ou de Ponyta Shiny. Parce qu'il y a tout le monde qui veut, en fait. Tout le monde veut des Caninos et des Ponyta Shiny, même si, vu qu'ils sont trop beaux. Mais moi, du coup, je le veux pas. Psycho-quack, pas trop, vu que je l'ai déjà en Shiny. Mais pas dans cette partie. Je sais pas comment les transférer, mais si on pouvait les transférer, ben moi je le transférerais. Hein. Il est environ au niveau 20, si je me trompe pas. Justement, c'est pour ça que j'avais fait une chasse au Shiny, et c'était au 58e Shiny que je l'ai eu. Enfin, au 58e, à la 58e Pokémon de la chaîne que je l'ai eu. Ouais, du coup, je pense que je vais faire une chasse au Nidorina, enfin au Nidoran garçon. Sablette, le Pokémon que, oui, même avec Gravelanche et Grandem, c'est celui dont je préfère l'animation. Il arrive, il se roule en boule en mode je vais te défoncer, et au final, c'est nous qui le défonçons. Alors, j'ai juste une question. Est-ce que Sablette est vraiment de la première génération? Non, mais parce que là, je pense que dans Pokémon Let's Go Evolie, voilà quoi. Oh, le dernier, il s'est empoisonné. Bon, là, un vive attaque, hein, il n'y a plus rien. Voilà. Bon, par contre, quand il meurt, enfin, quand il est KO, c'est pas fou son animation. Du coup, Sablette, Sablero, quand il arrive, il fait la même animation, genre, waouh, boum, il y a ses pics à la place. Et du coup, ça fera encore ultra dangereux. Je sauvegarde, parce qu'avec son poison, Rougoup peut perdre les combats, du coup. Déjà, il peut être moins rapide, et je crois que ça influe aussi sur son attaque, qu'il est moins puissant. Et du coup, il pourrait perdre contre, quoi. Miaouf. Cruel. Bluff. Pourquoi c'est ultra bien joué? Parce que j'ai le poison. Mais bluff, ça fait que dalle. Mais bien joué parce que j'ai le poison. Je vais lui faire un cruel, j'espère pas que ça va le tuer pour pouvoir faire atterrissage. Ah, mais ça le tue, mais non. Ma prochaine Pokémon, si c'est un type herbe ou quelque chose comme ça, je vais faire atterrissage. Tu m'as battu, non, je suis dégoûtée. Ah là là. Ah oui. Let's Go Evoli, je pense que dans 2-3 ans, on aura vraiment fini la game. Pourquoi je dis ça? Bon, déjà, bien sûr, Articodin et tout, je vais l'avoir, je pense, en moins d'un an. Je pense que je vais finir le jeu en moins d'un an. Mais je vais essayer d'avoir Melmetan. Après, je sais pas. Genre 2 ans plus tard, je referai une vidéo Pokémon pour dire que j'ai Melmetan.
Ouais, mais il faut combien de Meltan? Je m'en souviens plus, mais je sais qu'il faut un paquet de Meltan, puis le transférer dans Let's Go Evoli, puis le capturer. En plus, s'il est shiny, c'est le jackpot. Par contre, je pense qu'il y a pas mal de chances qu'il soit shiny. C'était quoi déjà son Pokémon? Bon, tant pis. Trousse de soins, potion. Parfait. Non, réveil, ça me sert à rien. Il me faudra encore un antidote. Quoi? Une pépite? Merci beaucoup, monsieur. Non, en vrai, je sais pas si... Ouais. Je pense que s'il me demande, j'accepte. Juste pour voir s'il y a un easter egg. Mais je pense que c'est pas possible qu'il y ait un easter egg, sinon il serait déjà connu, en fait, depuis longtemps. Ok, un Osferapti. C'est ça, le Pokémon du sbire? Qui sort cette Pokémon le plus puissant, je pense. Au moins, il est niveau 14. Niveau 11. Ah non, il en a deux, ok. Premier Pokémon one-shot avec succès. Mais bon, on va quand même se prendre le poison. Donc c'est comme s'il avait attaqué et qu'il m'avait enlevé 5. Ah non, 8. Je sais pas pourquoi. Smogo. Non, non, tant pis, hein, Smogo. En vrai, faut des types psy. Parce que psy, c'est critique sur poison. Mais c'est tout. Cruel. Ça a failli one shot. Charge. Il peut pas me faire gaz toxique, c'est ça qui est bien. Bon, du coup, c'est débile de faire atterrissage maintenant, donc... C'est parti, hein. On donne tout ce qu'on a et on fait vive attaque. Pas besoin d'attaquer les dresseurs, les autres dresseurs. Donc, en gros, combattre le rival et finir le pont, ça prend un quart d'heure. Bon, c'est long, ça prend le temps d'un épisode, juste pour ça. Rapporte 308 Poké-Dollars. Je reprendrai sûrement à 17h30 les vidéos. Pour l'instant, je vais faire une pause. Ne vous inquiétez pas, j'avancerai pas dans le jeu. Je vais me soigner. Ce serait cool que j'aurais... Ah, je sais pas comment dire. Ce serait bien si je... Bon, je sais pas quoi. Je veux monter sur un Pokémon. À tout hasard, un Arcanin. Même s'il est pas shiny. Juste parce que ça permet d'aller beaucoup plus rapidement. On va avoir les viators bientôt. Même s'il me sert un peu à rien, quoi. À bientôt! Du coup, ouais, je suis pressé. Si on peut avoir un méga carnage, ça serait génial. Sorti! Sauvegarder. Parfait, partie sauvegarder. Bye! Normalement, on prend les vidéos à 17h30.